Vous êtes chez Papa Ali, le feu Papa Ali. Vous êtes chez lui ici, dans son atelier. Et dans ma nature, j'aime l'art. Depuis l'enfance, je fabriquais des choses à base de boîtes de conserve, tout. Bon, c'est ça qui m'a plus poussé dans ce domaine. Et en plus, j'ai trouvé aussi mon père dedans. Et lui, il m'a plus formé. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas avoir le courage de travailler. Nous fabriquons des objets d'art ici à base de bois mort, de bois flotté, des racines, etc. Nous fabriquons des chaises, des lampes, des sacs, des bijoux, des barrettes. Donc beaucoup de choses, des bijoux, des femmes, même les vêtements avec des perles. On fait des perles en bois. Je ne dis pas que ça se vend bien. On survit parce qu'on a beaucoup de problèmes ici en matière de vente. Il y a trop de problèmes. J'aimerais l'aide du gouvernement de nous aider financièrement et matériellement aussi. Parce qu'il y a des jeunes ici dehors qui veulent aussi travailler, qui viennent souvent nous demander le travail. On veut les aider, mais on n'a pas les moyens. Pour apprendre un métier à un enfant, il faut beaucoup dépenser, acheter les matériels, l'éduquer. Et il y a même des fois, il y a certaines choses qu'il ne peut pas retenir et il faut écrire aussi. Donc on a tous ces problèmes. Donc s'il y a les moyens, on peut non seulement transformer cet atelier en une école. C'est très important pour nous.